Bonjour, c'est Marina Graf. Je suis pianiste, chanteuse, professeure de piano et de théorie musicale. Et si vous cherchez à vous amuser sur votre instrument tout en jouant vos morceaux préférés, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons détailler, mesure après mesure, un arrangement sur le thème de la célèbre série Game of Thrones. Avant de voir toute cette partition ensemble, je voulais apporter quelques petits détails très importants d'un point de vue théorique. Nous sommes dans la gamme de Do mineur durant tout notre morceau. Do mineur implique que nous aurons trois altérations, trois touches noires à jouer, qui seront le Si bémol, le Mi bémol et le La bémol. Donc restez toujours vigilants avec ces trois altérations-là. Autre détail qui a son importance, nous sommes dans des mesures à quatre temps, dans du ternaire. Alors je vais faire très bref sur le ternaire, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Ceci dit, si vous avez envie que je vous explique la différence entre le binaire, les mesures binaires et les mesures ternaires, indiquez-le-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous en faire une vidéo totalement bien détaillée. Alors pour faire très simple avec le ternaire, on va dire que chaque mesure que nous allons étudier se compose de 4 temps et que chaque temps peut se découper en 3 croches ou 3 battements. Ce qui veut dire que sur votre premier temps, vous allez avoir 1, 2, 3 battements. Votre deuxième temps, encore une fois, 1, 2, 3 battements. Votre troisième temps, 1, 2, 3 battements. Et votre quatrième temps, 1, 2, 3 battements. C'est comme si j'avais 12 battements dans une seule mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, sans plus attendre, on part directement sur le piano. Pour commencer, on situe le Do du milieu du piano. Il est ici. Notre main droite va se situer au milieu, justement. Dans notre première mesure, nous allons avoir d'abord votre note Sol, puis ensuite Do, Mi bémol, Fa et Sol. 1, 2, 3 et 1. La mesure complète fera ceci. Notre main gauche, pour l'accompagnement, va jouer deux notes que nous allons jouer en même temps, le Do et le Sol. Une mesure complète, en tout, va donner ceci. Il va y en avoir 12 à jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, pour allier les mains ensemble, je vais commencer. 1, 2, 3 et 1. 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2. Et sur le troisième, je vais non plus jouer un Mi bémol, mais je vais jouer un Mi naturel. 3 et. Un petit peu plus vite, ça va nous donner ceci pour toute la première mesure. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et. Un peu plus rapidement. On continue dans notre deuxième mesure. Cette fois-ci, ma main gauche va poursuivre en étirant un petit peu plus si on va aller chercher l'octave de Do. Un Do doublé à l'octave. On est bien d'accord que le Do du milieu joué par la main droite est ici. Ma main gauche joue son pouce l'octave en dessous et le cinquième doigt l'octave encore en dessous. Là encore, ma main gauche va jouer 12 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pendant que ma main droite, elle, va reprendre de nouveau le même thème qu'au tout début, mais cette fois-ci non plus avec le Mi bémol, mais toujours avec le Mi bécart. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et. En tout, il y aura donc 4 fois à jouer. Jouons maintenant mains ensemble lentement. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et. Un petit peu plus rapidement. Troisième mesure, nous allons cette fois-ci étirer un petit peu plus l'espace de notre main droite et on va commencer à jouer sur des octaves. On commence avec la note Sol.
que l'on va doubler à l'octave en mettant un Do au milieu. Et ces trois sons devront être joués en même temps. Ensuite, on aura Sol Do. Et puis ensuite, on va avoir la suite du thème où on va faire Mi Fa Sol. Mais cette fois-ci, pour jouer ce Mi Fa Sol, il va falloir en plus maintenir un Sol avec notre pouce, qui va nous donner ceci. Donc si je reprends depuis le début de cette troisième mesure, je vais avoir donc... On va revenir sur un Sol Do. Et on terminera avec Mi Fa. Donc toute la mesure complète numéro 3 sera donc Passons maintenant à la main gauche concernant cette troisième mesure. Je rappelle de nouveau que le Do du milieu est ici et que notre main gauche va commencer une octave plus bas. Alors cette fois-ci, nous allons avoir un Do, puis il faudra jouer un Do une octave plus bas, tout en rajoutant un petit Sol au milieu. Donc en tout, on va avoir ces trois sons à jouer. Le Do tout en dessous, et le Sol qui est au milieu. Au niveau de l'exécution, on va faire comme ça. 1, 2 et 3 et. Alors, ce groupe que je viens de vous montrer, on va le jouer deux fois déjà. 1, 2 et 3 et. 1, 2 et 3 et. Puis ensuite, on va avoir un troisième groupe à jouer, toujours dans cette mesure 3. Il y a beaucoup de choses, comme je vous avais dit, à jouer. Do, Sol, Do, Do, Sol, Do. Je le joue deux fois. Si je le fais un peu plus rapidement, ça va nous faire Do, Sol, Do, Do, Sol, Do. Et au niveau des comptes, 1 et 2 et 3 et. Et je terminerai par un quatrième groupe, toujours dans cette mesure 3, en faisant l'octave de Do. Do, Do, Do. Sur les temps. 1, 2, 3. Le tout va nous donner ceci. 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si je le joue un tout petit peu plus rapidement, donc il faut vraiment tenir cette petite rythmique du pam pim pam 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 pim pam pam pom pam pam pom pam 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 pam. Maintenant, il va falloir que j'allie les deux mains. Alors, comme il y a beaucoup d'informations dans cette troisième mesure, je vais faire par petits groupes, mains ensemble toujours, mais par petits groupes. Voilà le premier groupe. Donc on se souvient que dans notre premier groupe, nous avions l'octave de Sol plus le Do à jouer au milieu. On reste sur ces trois sons-là, tout en jouant notre premier groupe, qui, je le rappelle, est en main gauche. Si je commence ensemble, ça va nous donner ceci. 1, 2 et 3 et. Ensuite arrive le deuxième groupe. La main droite va jouer seulement Sol et Do, et la main gauche va refaire exactement la même chose. Ce qui va nous donner 1, 2 et 3 et. Si je joue ces deux groupes-là l'un après l'autre, ça va nous donner ceci. 1, 2 et 3 et. 1, 2 et 3 et. Si je le joue un tout petit peu plus rapidement, ça va nous donner ceci. Passons au troisième petit groupe. C'est là où nous avions... Vous vous rappelez, les trois petites notes en haut, Mi bémol, Fa, Sol, tout en maintenant un Sol. Dès que je joue le Mi bémol, en même temps je joue le Sol. Le Sol ne bougera plus, je ne bougerai plus mon doigt. Je reste appuyé sur la note Sol, tout en jouant le reste de mes notes. Donc ça va faire Mi, Fa et Sol. Et ça va aller avec notre fameux troisième groupe où je faisais Do, Sol, Do, Do, Sol, Do. Ce qui va nous donner ceci. Lentement, on commence ensemble, toujours ensemble, toujours ensemble. Et après, ma main droite ne bouge plus et ma main gauche, c'est là qu'elle refait de nouveau le
Do, Sol, Do. Donc si je refais de nouveau. Et ma main gauche. Si je le fais un petit peu plus rapidement. Et encore un tout petit peu plus vite. Et je termine par mon quatrième groupe. Ma main gauche, rappelez-vous, elle fait les octaves Do, Do, Do sur tous les temps. Et ma main droite, elle commence par Sol, Do. Donc ça va nous faire, si je commence directement par mains ensemble, on va faire 1, 2, et sur le troisième temps, c'est là que je vais jouer le reste de ma mélodie en main droite. 3, et pareil, je joue le Mi, mais je garde le Sol appuyé pour la suite. Ce qui va nous faire ce quatrième groupe. 1, 2, 3, et. Je vous rejoue toute cette troisième mesure avec ces quatre petits groupes que nous avons entièrement détaillés. 1, 2, et, 3, et. 1, 2, et, 3, et. 1, et, 2, et, 3, et. 1, 2, 3, et. Si je le fais un tout petit peu plus vite, ça va nous donner ceci. Ça y est, je pense que vous commencez à reconnaître le début du thème. Passons à notre quatrième mesure. Notre main gauche va venir jouer un Sol et un Ré. À répéter 12 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Notre main droite va jouer Ré, Sol, Si bémol et Do. Et au niveau des comptes, ça va nous faire 1, 2, 3 et. Et ce petit groupe de notes, dans toute cette quatrième mesure, je vais le jouer en tout 4 fois. 1, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, et je m'arrêterai sur la note Do. Maintenant, si j'allie le mains ensemble, ça va nous donner ceci. 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et. Je vais jouer cette quatrième mesure un peu plus rapidement. Donc juste pour vous donner un petit aperçu, je vais vous rejouer la mesure 3 et mesure 4 enchaînées. Passons cette fois-ci à la mesure 5. Je rappelle que le Do du milieu est toujours ici. Je vais commencer par la main gauche. Je descends d'une octave et je vais même aller chercher encore un peu plus bas puisque je vais aller chercher la note Si bémol. Si bémol, son octave, une octave plus bas. Et au milieu, je vais rajouter un Fa. Et je vais rejouer exactement la même rythmique que dans la mesure 3, c'est-à-dire le pam, pim, pam, pam, pom, pam, pim, pam, pam, pom, pam, patom, patatam, pam, pam, pam. Ce qui va nous donner sur le piano tout en comptant. 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3. Jouez un petit peu plus vite. Pendant ce temps-là, ma main droite va jouer les notes suivantes. Alors je rappelle toujours le Do du milieu. On va entourer justement le Do du milieu et on va jouer l'octave de Fa plus un Si bémol. Pareil, on aura exactement la même rythmique que dans la mesure 3 concernant la main droite. On commence premier groupe par ces trois notes-là. Deuxième groupe, le Fa et le Si bémol. Troisième groupe, je maintiens toujours ce Fa, mais cette fois-ci que je vais rejouer encore une fois, plus Mi bémol, Ré, Fa. Et le quatrième groupe, je rejoue de nouveau Fa et Si bémol. Et je vais rajouter cette fois-ci toujours le Fa et en plus Mi bémol, Ré. Ce qui va nous donner premier groupe, deuxième,
troisième et quatrième. Si maintenant j'allie le mains ensemble, encore une fois, vous l'aurez compris, cette mesure 5, rythmiquement, est exactement la même que dans la mesure 3, sauf qu'on a changé au niveau des notes. Voilà mon premier groupe, 1, 2 et 3 et. Mon deuxième groupe, 3e groupe. Et je répète. Et je termine le 4e groupe. Je joue maintenant cette mesure 5 très lentement, mains ensemble. 1, 2 et 3 et. 1, 2 et 3 et. 1 et 2. 3 et 1, 2, 3 et. Et si je vous le joue un petit peu plus rapidement. Encore un tout petit peu plus vite. Nous arrivons maintenant dans la mesure 6. Notre main droite va se déplacer sur les notes Do, c'est notre Do médium, Sol, La bémol, Si bémol. Et ce petit groupe de notes-là, je vais le rejouer en tout 4 fois. 1, 2, 3, 4. Pendant ce temps-là, ma main gauche va jouer, elle, l'octave de Do, le même octave que nous avions tout à l'heure. Do du milieu, je descends d'une octave et je double à l'octave encore en dessous. Pareil, je vais jouer en tout 12 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, si je vous montre le premier groupe de cette mesure 6, ça va nous donner ceci. 1, 2, 3 et. Et ça, il va falloir que je le répète 4 fois en tout. Ce qui va nous donner ceci. Première fois. Deuxième, troisième, quatrième. Jouez un peu plus rapidement. Je vous rejoue mesures 5 et 6 lentement pour que vous entendiez bien l'enchaînement de ces deux mesures. Un tout petit peu plus rapidement. Nous arrivons maintenant à la mesure 7. Et à partir de cette mesure, eh bien, nous allons tout simplement reprendre le thème du début. Avec parfois quelques petits changements de notes et de rythme. Le début reste identique, donc je rappelle que le début du thème commence à partir de la mesure 3. Donc je refais exactement la même chose. Mesure 7, c'est exactement la même chose que la mesure 3. Donc je le fais directement un peu plus vite. Je passe maintenant à la mesure 8. Eh bien, vous l'aurez compris, la mesure 8 est exactement à l'identique que la mesure 4. Donc, je répète. Passons directement à la mesure 9. La mesure 9 est quasi identique à la mesure 5, à part quelques petits changements dans la fin de la mesure. Mais les deux premiers groupes sont absolument identiques. 1, 2 et 3 et. 1, 2 et 3
et. Pour le troisième et le quatrième groupe de cette mesure 9, cette fois-ci, notre main gauche va jouer que des octaves de si bémol. Et elle va jouer 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pendant ce temps-là, la main droite va maintenir toujours, va toujours rejouer ce Fa, mais en plus, elle va devoir caler une petite mélodie à jouer en haut, avec un Ré, Fa Ré, puis Fa Mi bémol, Fa Ré toujours, on revient, Fa Si bémol. Et lorsque je vais allier le mains ensemble, il faudra juste que je sache à quel moment la main droite va jouer par rapport à la main gauche, qui, elle, est très régulière. Et en fait, ça va être, on va juste compter comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va jouer sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui va nous donner un petit peu plus rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je joue toute cette mesure 9, ça va nous donner ceci. Nous arrivons maintenant à la mesure 10. Toujours ma note de 2 points de repère, le Do du milieu, ma main gauche va jouer un Do en octave, une octave plus bas pour le pouce, et encore une octave plus bas pour le cinquième doigt, mais vous commencez à en avoir l'habitude. Et cette fois-ci, effectivement, nous allons faire non pas 12 fois ce Do, mais 11 fois. Et à la 12e, nous allons descendre sur un Si bémol. Donc il faudra bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qui va annoncer le début d'une nouvelle partie, allant vers la mesure 11. Pour la main droite, voilà mon Do, point de repère. Je me positionne sur Do, en dessous Sol, La bémol et Si bémol. Et ces quatre notes-là, je vais les jouer en tout 4 fois. 1, 2, 3, 4. Je joue maintenant le mains ensemble lentement. 1, deuxième fois, troisième, quatrième, attention, c'est là où je vais descendre. Un peu plus rapidement. Voilà, nous arrivons à la fin de la première partie de cette vidéo consacrée au thème de Game of Thrones. Et maintenant, si vous avez envie que je vous explique la deuxième partie du thème, eh bien c'est très simple, dites-le moi dans les commentaires. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao !